Les plus de 75 ans représentent 11,5% de la population du Loir-et-Cher. Un chiffre en hausse qui a amené le Conseil général à faire du service aux personnes âgées une priorité. Comme le choix majoritaire est de rester à domicile le plus longtemps possible, nous avons bien sûr dans nos schémas, depuis de nombreuses années, toujours travailler le maintien à domicile. Face au défi du maintien à domicile, le Conseil général a lancé, avec la Fondation Caisse d'Épargne pour la Solidarité, un dispositif innovant de téléassistance avancée, Dom à Dom 41. Il s'agit d'un pack contenant une base et un bracelet d'appel, un détecteur de chute, un détecteur de fumée et un chemin lumineux pour guider les personnes âgées et handicapées jusqu'aux toilettes. Ce service, au-delà de sa technicité, permet de maintenir le lien social. Nous, on appelle aussi pour prendre des nouvelles, ce qu'on appelle les appels de convivialité. C'est très important puisque, en fait, on n'attend pas que les personnes chutent pour s'occuper d'elles. Régulièrement, tous les mois, pour les anniversaires, sortie d'hospitalisation, vraiment avoir un service personnalisé et qui les accompagne tout au long des années, parce que c'est ça l'objectif, c'est de rester le plus longtemps chez elles. Le coût réel du service est d'environ 80 euros par mois, mais avec la participation du Conseil général, les abonnés ne déboursent qu'entre 15 et 35 euros environ, un dispositif rassurant pour le prix d'une baguette par jour. J'ai trouvé ça bien pour ma maman, pour être prévenue en cas de problème. Moi, je me tourmente pas. Objectif, gérer au mieux la détresse physique, mais aussi la détresse morale des personnes âgées. Pour ce faire, les téléopérateurs sont à proximité, basés dans le département du Loir-et-Cher. Ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et petit plus qui fait la différence, les abonnés ont même leurs photos pour savoir à qui ils s'adressent.